savoir si les amis de la nuit sont au rendez-vous. Rebonjour à ceux que j'ai vus dans l'après-midi. Ouais, 23h30. Je pense que tout le monde a regardé Koh-Lanta, tout le monde a regardé son petit programme télé. Hop, je vais choper un Kleenex. Excusez-moi. Ouais, ça passe pas le rhume. J'ai pris mon lait au miel, je vous rassure. Tous ceux qui me l'ont conseillé. La famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus du discours de notre daron national. Avec sa grosse voix. Eh ouais, les gars, j'ai mué. Je m'appelle Macron. Et parce que j'ai une grosse voix, vous allez tous m'écouter. Parce qu'avec une grosse voix, je suis déjà beaucoup plus entendable. Non, je suis pas certain, Manu. Je suis pas certain. Bref, bon, on a les 1000 personnes. Amis de la nuit, bonne nuit. J'espère que vous allez bien. Bon, on a quand même regardé en différé. Il y en a qui appellent au boycott sur les directs de Macron. On verra demain les audiences. Bon, je pense qu'il y en avait quand même un paquet de savoir que pendant 27 minutes et 30 secondes, eh ben, qu'il n'a pas l'air d'habiter en France, le mec, quoi. Il n'a pas l'air d'habiter en France. Alors lui, il habite en Macronie. Joyeux pays où tout va bien, où les pauvres, il n'y en a plus, où les riches vont mieux, où tout le monde va bien. Il habite quel pays, ce mec? C'est un sketch. Le mec se fout de la gueule des trois quarts des Français, si ce n'est 90% des Français. Depuis quand les gens modestes, les travailleurs pauvres, ceux qui fournissent à la France de par leur sueur, de par leur sang, leur travail, leur énergie, ont l'air d'aller mieux? Qui aujourd'hui, en tout cas sur ce live, et je m'adresse non pas que aux citoyens en colère, gilets jaunes ou autres, mais à l'ensemble des gens qui seraient capables de regarder ce live, de mettre en commentaire, pardon, est-ce que vous avez le ressenti, est-ce que vous avez le même ressenti que moi de vous dire qu'on n'habite pas le même pays que Macron, quoi? C'est pas possible. Ouais, les plus riches vont mieux. Beaucoup plus de milliardaires, beaucoup plus de milliards. Le CAC 40 se porte bien. Bref, les actionnaires vont très très bien. Mais est-ce que l'ensemble des Français aujourd'hui vont bien? Moins de chômeurs? Bah forcément, avec ce que vous avez mis au chômage et avec toutes les radiations que vous avez mis en place, forcément il y a moins de chômeurs. Non mais dans quel pays tu vis? Non mais tu sors d'où? À qui tu veux faire avaler ça? Et puis en plus tu veux encore faire passer les chômeurs pour des feignants. Alors que les trois quarts des chômeurs ne sont pas des feignants, sont des gens qui ont des difficultés pour trouver du travail, pour revenir sur le marché du travail, parce qu'il n'y a pas de travail. Alors ouais, il y a 6 millions de chômeurs, il y a 3 millions d'offres. Tu fais rentrer comment? Tu fais comment rentrer tout ça là-dedans? Tout va bien dans ce pays. Le pouvoir d'achat des Français a augmenté. Et même le père Michel-Édouard Leclerc, il a dit qu'on allait prendre une châtaigne au mois de novembre, que tous les tarifs, ils allaient augmenter, que même la baguette allait augmenter. Et que même la courbe du Covid, elle augmente pas autant que la courbe du carburant. Mais dans quel pays il vit avec sa grosse voix? Ouais, j'ai regardé Macron après le cours d'aquaponie. Faut bien qu'on se renseigne de à quelle sauce on va être mangé. D'accord? Les soignants, il se permet de parler des soignants. Avec la crise du monde hospitalier qu'on est en train de vivre. Sincèrement, tu vois, j'ai un rhume, je vous invite pas à être malade cet hiver, je vous invite pas à être malade dans les prochains mois. Tout va bien dans le monde hospitalier. Ah ouais, effectivement, il y a moins de chômeurs, il y a 25 000 offres d'emploi pour les soignants. Et puis on va leur proposer 1 600 balles. Par contre, il y a, je crois, 15 000 offres d'emploi pour des métiers de sécurité dans les hôpitaux à qui on va proposer 1 900 balles. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Essayez d'aller voir les annonces. C'est assez aberrant. On va proposer plus de thunes à un mec qui va surveiller l'hôpital. Ah, il les mérite ces thunes, hein. Je dis pas qu'il les mérite pas. Mais comment ça se fait que la soignante ou le soignant mérite 300 balles de moins que celui qui surveille la porte? Parce que tant qu'à faire, on donne 1 100 balles 1 900 balles à tout le monde. Enfin bref, moi je dis ça, je dis rien. Je suis pas là pour enlever de la poche de l'un ou quoi, ok, ça. Moi je suis là pour que tout le monde se serve à bon escient et que tout le monde soit satisfait en même temps, hein. Une honte. Une honte. Je sais même pas comment les gens peuvent adhérer à un discours pareil.
L'Europe, la présidence de l'Europe. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'Europe? L'Europe, c'est la première chose à nous mettre dans la merde. L'Europe, la France, elle est juste capable d'aller chercher les conneries des uns et des autres pour nous la mettre. Au pire, ils ne vont même pas chercher les bonnes choses qui se passent en Europe. Quand il y a des pays qui prennent des bonnes initiatives, ne serait-ce qu'à l'échelle du Covid, ne serait-ce qu'à l'échelle du confinement, vous n'êtes même pas capable de faire pareil. Et vous venez en leader, présidence de l'Europe, pourquoi? Parce que vous croyez que l'Europe, c'est les maîtres du monde. On se fait qu'écro par les Russes, on se fait qu'écro par les Chinois, on se fait qu'écro par les Américains, et même les Australiens, ils veulent pas de nos sous-marins. Ils veulent même pas de nos sous-marins. Et t'es là, tu viens pour un champion, on va être les présidents de l'Europe, moi, monsieur Macron, mais t'es tout petit, grand. Les mecs, ils rigolent. Hey, t'as vu, le président américain, il a pété devant la princesse de Galles. Ils en ont rien à foutre d'un mec comme toi. Et t'es là en train de nous vendre des gris-gris. Ce sera pas son dernier discours, les gars, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, il va refaire un discours parce qu'il va prendre la présidence de l'Europe. Et je tiens à préciser que c'est pas Macron qui prend la présidence de l'Europe, c'est la France qui prend la présidence de l'Europe. Déjà, on va se détendre, parce que le mec, il va se sentir arrivé et plus pisser. Ça peut pas durer. Et il va encore prendre la parole aussi pour le 1er janvier. Donc on n'a pas fini de l'entendre parler. Et puis ce qu'il fait, lui, c'est simplement essayer de redorer un petit peu la peau des moutons, tu vois, de les laver un petit peu pour gagner encore des voix. Parce que le mec, hey, c'est facile de faire un auto-bilan, je suis le meilleur, tout va bien. Hey, forcément, tu vas pas dire que tu as fait de la merde. J'ai rarement vu un mec qui fait un bilan négatif de sa propre expérience. Hein. C'est assez rare les remises en question, et c'est surtout pas des hommes politiques. Puis alors lui, c'est le pire de tous, quoi. Et hey, le mec, il a mon âge. Il a 43 piges, quoi. 42, 43 piges avec sa grosse voix. On pourrait y croire au dos, on pourrait y croire au projet avec tous les vieux lascars, les vieux roublards qu'on a eu pendant toute mon adolescence, toute ma jeunesse. Mais c'est le pire de tous. C'est le pire de tous. Puis alors là, nouvelle save, hein. Excusez-moi, les anciens, les amis retraités, à qui on vous a promis qu'avec deux doses, vous allez pouvoir profiter de votre retraite, de votre maigre retraite que Macron est en train de vous bouffer aussi, hein, au passage. Eh ben non, maintenant c'est une troisième dose, parce que si t'as pas ta troisième dose, bah tu prendras pas ton camping-car, et puis t'iras pas voir tes petits-enfants, parce que tu pourras pas bouger, tu pourras pas partir en vacances et profiter de ta retraite, de tout ce que tu as pu fournir en travail à la France, tu pourras pas, parce que Macron en a décidé autrement. Il a décidé que tu devais prendre une troisième dose, parce qu'apparemment il y a une cinquième vague qui doit arriver, j'ai toujours pas surfé la quatrième, hein, je sais pas pour vous, enfin du moins quand on regarde les courbes, j'ai pas l'impression qu'on a plus des vagues, j'ai l'impression qu'on a plus des... un petit léger courant, enfin bref. Moi je dis ça, je dis rien. Plus de keufs. Toujours plus de keufs. Plus de procédures pour mettre encore plus les gens plus vite en prison. Comme si on n'avait pas assez de keufs. C'est à défaut d'avoir plus de keufs, c'est pas la quantité qui fait la qualité. Moi je dis ça aussi, je dis rien. À défaut de mettre de la quantité, si on pouvait essayer de les former à s'occuper des citoyens, être proche du citoyen et de faire respecter les libertés de chaque citoyen et non pas de les restreindre, c'est-à-dire de ne pas mettre une police au service du gouvernement, de ne pas payer avec nos impôts une police qui va simplement servir à vous protéger, à protéger vos sombres desseins aujourd'hui, qui est de mettre un peu plus les Français dans la merde, et pire que tout, de venir s'auto-congratuler à la télévision, parce qu'on a la possibilité de passer à la télé, on fait ce qu'on veut, on est président, et de dire que c'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau pendant 27 minutes et 30 secondes. Eh ben dis donc, avec ton chat dans la gorge, avec ta grosse voix, je sais pas qui t'a voulu faire peur, mais en tout cas, c'est un scandale, cette allocution, c'est un scandale de mettre autant de moyens télévisuels avec les thunes de nos impôts pour nous raconter un ramassis de conneries, parce qu'il a rien dit, hein. Toute la journée, il y a plein de gens qui sont venus me voir, avec qui j'ai discuté, non mais Jérôme, tu crois qu'il va confiner, Jérôme, tu crois que il va... Non, les gars, moi je vous le dis, il va juste palucher, il va dire que c'est lui le plus beau, c'est lui le meilleur, et que les Français devraient lui baiser les pieds, parce que grâce à eux, tout le monde vit mieux. Voilà, on va faire simple, hein. Je ne vais pas vous donner tout le temps mon ressenti, vous avez les commentaires qui sont faits pour ça, est-ce que vous avez l'impression de vivre dans le même pays que Macron? Moi, j'ai l'impression de vivre en France. Lui, il nous parle de la Macronie, simplement les gens concernés par sa politique, et il ne représente que 1% de l'ensemble des Français. Même pas, allez, on va être gentil. Si on se réfère au municipal, 2,5% des Français. Et le mec, il va apprendre la vie à tout le monde. Troisième dose. On n'est plus dans un vaccin. Donnez-moi une maladie, et ça existe,
ou vous allez vous prendre une piqûre assez fréquemment en guise de médicament. Ça, je dis pas le contraire. Mais donnez-moi un vaccin. Moi, je sais pas, ça fait 20 ans que je me suis pas fait piquer. Tout va bien, c'est que ça veut dire que les vaccins fonctionnent, si je suis pas tombé malade. Et là, en l'espace d'un an, un an et demi, il faudrait se faire piquer 3 fois. Moi, je veux juste qu'on m'explique. Je rappelle ma façon de penser par rapport à ça. J'attends mai 2023, la fin des tests pour prendre une décision. J'attends la fin des tests. Messieurs, mesdames, les tests sur les organes reproducteurs ont commencé au mois de mai, au mois de juin dernier. J'espère que vous aviez à faire tous les enfants que vous aviez besoin, parce que c'est pas dit que ça puisse fonctionner après. Les tests viennent de commencer. Voilà, on va clore le sujet parce que c'est pas le dos. Excusez-moi. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai un rhume. Et je me dis, j'ai pas de passe. Je peux pas aller me faire soigner à l'hôpital. Et puis en plus, on va pas obstruer l'hôpital pour un simple rhume. On va essayer de se soigner. Bon, on va pas tergiverser pendant 30 minutes. On va pas prendre 27 minutes et 30 secondes avec une grosse voix pour bien comprendre que ça va continuer, qu'on va continuer de se faire enfler, que président ou pas de l'Europe, président ou pas de la France, c'est pas lui qui gère. Et on est en train de se faire mal gérer, et on est en train de se faire mal donner. Et je sais pas quel est l'objectif, je sais pas quel est le plan. Mais plus ça va et moins ça sent bon. Hein, et là, le mec, il est clairement rentré en campagne et il utilise notre thune pour nous vendre un dos qui n'est pas du tout la réalité de ce que vendent l'ensemble des Français. Moi, je discute avec des gens très intelligents dans la rue, il n'y a pas de souci, mais là, je ne comprends pas que les gens ne réagissent pas face à la comédia dell'arte que nous a proposé le mec aujourd'hui, quoi. Je comprends pas. On a une tonne de questions à l'ensemble des citoyens vivant en France à poser à ce gouvernement. On a un tas de choses à leur dire. La première question, c'est qu'est-ce que vous foutez de notre pognon? Comment ça se fait que vous ne donnez que 19 milliards à l'hôpital pour ne pas avoir de lit, pour avoir fermé des lits et derrière oser parler des soignants dans un... Moi, je comprends pas. Même les spécialistes politiques, l'ensemble des consultants, de voir que le mec se fout de la gueule du monde, Il a mis au carreau des milliers de personnels soignants, des familles aujourd'hui, comme cette vidéo. D'ailleurs, j'ai même pas compris que les gens n'aient pas partagé cette vidéo un paquet de fois de cette mère de famille, grand-mère, qui devant Castex exprime toute sa détresse du fait que son fils, travaillant dans le domaine hospitalier, se soit retrouvé au chômage et reste en difficulté aujourd'hui pour nourrir sa famille et que la seule chose qu'elle mérite, c'est de finir au commissariat. C'est ça la France que nous propose Macron. C'est ça la France aujourd'hui dont on ne parle pas dans les médias. C'est toute cette détresse et des gens, on ne vous parle que des choses qui vont bien. Oui, très certainement qu'il y a des choses qui vont bien. Mais à un moment donné, il y a beaucoup plus de gens qui vont mal aujourd'hui. Et on n'en parle pas. J'ai du mal à comprendre. Et je le répète, je vous le répète, c'est pas la machine à café qui va vous donner une solution. C'est votre détermination, c'est votre bon vouloir. Vous aurez beau gueuler contre un mur devant la machine à café, je le répète, la machine à café, mis à part vous donner un café, elle fera rien d'autre. Elle va pas vous donner des solutions à vos vies. C'est vous la solution. Et c'est pas ce mec-là. Bien au contraire, lui, c'est pas une solution. C'est lui le problème de l'équation. C'est lui. On a tous fait des mathématiques. C'est lui le problème de l'équation. En tout cas, il fait partie du problème de l'équation. Bref, eh ben on n'a pas fini d'en chier. On est à une semaine du 17 novembre. Est-ce que les gens vont réagir? Est-ce que les gens vont comprendre? Ça va au-delà des gilets jaunes, ça va au-delà des citoyens en colère, ça va pour notre avenir. On est reparti pour un an de merde. Ça veut dire quoi? C'est voter pour moi, sinon vous allez en chier. Voilà. Si on peut tirer un bilan, tu vois, au lieu de prendre 27 minutes, 30 secondes, pour faire une grosse voix et nous raconter de la merde, c'est quoi? C'est voter pour moi, vous allez en chier. Bon, voilà. Tout est dit. Bah écoutez, dans ce pays merveilleux qu'est la Macronie, je vais vous faire réatterrir en France en éteignant ce live et retrouver vos vies idylliques qu'a l'air de vous décrire aujourd'hui le père Macron. Moi, je suis désabusé. Je suis désabusé parce que je suis désabusé déjà dans un premier temps quand je vois
aussi peu de gens réagir physiquement, parce que mentalement, les gens sont présents. Je le répète, la colère est bien là, mais à un moment donné, faut y aller physiquement, d'une façon ou d'une autre. Je ne parle pas de violence, hein. Voilà, et quand je vois le mec, ce qu'il est capable de raconter, mais. Je vais regarder les commentaires. Alors, dehors Macron, le nombre de suicides explose. Ah, je suis saoulant. Ça me fait plaisir que tu aies remarqué que j'étais saoulant, je le répète. Hein. Merci à tous les trolls de donner de la visibilité avec vos commentaires de cons. C'est ça que vous n'avez pas compris. Vous ne m'aimez pas, mais vous me donnez plus de visibilité. Et ça, j'ai fini par le comprendre. Si les trolls n'existent pas, je perds 10% des personnes sur la page. Vous ne me manquerez pas si vous partez, soit dit en passant. Maintenant, le plus vous restez, plus vous donnez de visibilité. C'est paradoxal, bande de tanches. Et en plus, hop, je suis désabusé pour Jaila. Voilà, le problème, c'est que tout le monde est divisé et les médias. Eh ouais, le problème, c'est qu'on est plus apte à parler de division que de parler d'addition. Et je vous garantis qu'il y a beaucoup plus de choses qui additionnent l'ensemble des Français qui ne les divisent. Sauf que eux ne parlent que de division à la télé. C'est eux qui parlent de division, qui veulent diviser les communautés, les différentes cultures, les gens qui seraient peut-être différents les uns des autres, parce qu'on se ressemble pas tous. C'est eux qui jouent le jeu de la division, et nous, on rentre dedans. Alors que si on regarde dans la rue, regardez autour de vous, regardez dans votre famille, regardez dans votre travail, regardez dans, je le répète, dans la rue, regardez, il y a beaucoup plus de choses qui nous additionnent, ne serait-ce qu'une bonne tablée, un petit verre de soda et quelques cacahuètes, et vous allez voir si les gens ne vont pas s'additionner. Des fois, c'est tellement simple, au final. Les gens ne se comprennent pas ce qu'il est en train de construire. Bah, moi aussi, j'ai des mal à comprendre des fois. Enfin, bref, la famille. Alors je sais que 90% des gens qui sont sur le live sont des gens convaincus. Ça c'est sûr. Il faudrait aujourd'hui essayer de convaincre les autres. Je suis en train de toucher l'écran, je suis désolé, je regarde les différents commentaires. C'est ça. Ils n'arriveront pas à nous diviser. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous additionnent. S'il y a défaut de se regarder les problèmes les uns les autres. On peut parler de nos problèmes, mais de se chercher des problèmes, c'est une autre chose. On est gouverné par un chez-père. Ça, c'est clair qu'il est perché, mais il est perché tout en haut de la Macronie. Enfin bref, voilà la famille, je ne vais pas vous en kikiner plus. C'était pour réagir à ce qu'avait dit Macron, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. À part ne rien dire et faire du blabla, ça sert à rien que je fasse du blabla autour d'un mec qui a fait du blabla. La situation, on la connaît, c'est nous qui la vivons. Lui, du haut de sa tour d'ivoire et des dorures de la République, que nous payons à grands frais avec nos impôts, il n'a pas l'air de réaliser qu'est-ce qui se passe vraiment sur la terre ferme. Voilà, ça me fait penser à la chanson Les Rois du Monde. Nous, on est bien vivants. Et je pense qu'on aimerait juste vivre. Parce qu'on en a marre de survivre et je crois qu'ils n'ont toujours pas compris. Je vous laisse réagir sur les commentaires. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, je vais peut-être bouger en province ce week-end. Je vais essayer de m'organiser pour, avant le 17 novembre, aller faire un petit tour, vers vous, les amis. Je vous fais un bisou. C'est toi qui ramènes Zemmour et tu le sais. Intéressant comme commentaire. Bisous à vous la famille, prenez soin de vous.